Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième édition du plus grand concours panafricain de cuisine, j'ai nommé Star Chef. Avant toute chose, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité car vous avez été en moyenne 65% à nous suivre lors de la première saison, ce qui est énorme et nous va droit au cœur. Mais rentrons dans le vif du sujet. Tout au fil de ce nouvel opus, nous assisterons aux batailles culinaires de 6 candidats de 6 nationalités africaines différentes, plus talentueux les uns que les autres. Ils s'affronteront à coups de recettes très alléchantes. Sans dévoiler l'ensemble des surprises, je peux déjà vous affirmer que les chefs gastronomes africains ont trouvé ici leur nouveau rendez-vous. Vous êtes prêts? Allez, Star Chef remet le couvert. Bonjour à tous et bienvenue dans Star Chef, l'émission la plus savoureuse de la télé africaine. Nous revoilà encore, c'est reparti pour une saison. Pour ce deuxième opus, Star Chef a réuni 6 chefs de cuisine, aussi talentueux les uns que les autres, pour s'affronter dans pas moins de 8 épreuves originales et pleines de surprises. C'est donc 6 pays et 6 gastronomies du continent qui seront dignement représentés pendant ces 2 mois d'aventure. Et croyez-moi, leurs ambassadeurs sont tous très motivés à relever le défi. Faire le maximum, bosser très dur et arriver au sommet, quoi. Nous, on est venus pour un concours. Tiep, sauce gombo ou encore paquet de poissons, la tradition sera au rendez-vous au même titre que l'originalité et la création. Aujourd'hui, les candidats découvriront le théâtre du concours. Un superbe lodge situé dans une des plus belles réserves d'Afrique. Les 6 postulants au titre rencontreront également les 2 jurys qui les accompagneront non seulement au cours d'ateliers pratiques, mais qui, le moment venu, leur décerneront les notes tant attendues qui les mèneront ou pas au chemin de la victoire. Pour votre plat, le jury vous accorde la note de 4 temps. Merci, chef. Le principe du concours est simple. Lors de chaque épreuve, le candidat se verra attribué par chacun des jurys de 1 à 3 toques. Une toque sera décernée à un plat moyen, 2 toques couronneront une réalisation savoureuse et la note maximale de 3 toques par juge sera attribuée à une œuvre culinaire réunissant toutes les qualités d'une grande table internationale. Nos challengers pourront donc, en additionnant les toques de chacun des jurys, récolter jusqu'à 6 toques par émission. Les candidats auront 8 émissions pour faire leurs preuves, accumuler des tocs et tenter de remporter le titre de Star Chef et la somme de 3 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas tout. Un des 6 candidats sera déclaré grand chef du public grâce à vos votes SMS et remportera 1 million de francs CFA ainsi que le privilège d'éditer son propre livre de recettes. Dans cette émission, vous assisterez à l'épreuve la plus traditionnelle de Star Chef, couleur locale. Les candidats devront préparer une spécialité de leur pays d'origine et la présenter à nos jurys. C'est le coup d'envoi de la saison et ils sont tous très remontés pour l'emporter. Quand ça chauffe, j'adore. On siffle le début de la rencontre, tout de suite après le générique. Recevoir ses amis, étonner son mari ou égayer les repas des petits. Découvrez toutes les leçons de goût en regardant Star Chef avec les produits laitiers Président. Régalez-vous en regardant Star Chef avec les huiles Cuisinor.
Chers amis gastronomes, Mbolo Annie et bienvenue au Gabon pour cette nouvelle édition. Cette année, Star Chef met les petits plats dans les grands. Le théâtre qui accueillera les candidats est le parc national de la Lopé-Okanda, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Rien que ça. Je vous propose d'ailleurs de le découvrir ainsi que son lodge situé derrière moi en contrebas et vous verrez à quel point nous sommes vraiment au cœur de l'Afrique. Bienvenue en terre gabonaise. Ce pays d'Afrique centrale compte de nombreux trésors, dont 13 parcs nationaux créés en 2002 dans le but de préserver un écosystème unique constitué d'une faune et d'une flore remarquables. Star Chef a décidé de poser ses marmites dans l'un d'eux, situé en plein centre du pays, à 6 heures de train de Libreville. Il s'agit du parc national de la Lopé-Okanda. La Lopé est parmi les plus incroyables des parcs nationaux. Classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, il s'étend sur 4 970 m², alternant des paysages de forêts-galeries et de savanes vieilles de 40 000 ans. Le parc n'est pas seulement un joyau écologique, il est également un site archéologique exceptionnel. C'est un site historique. Vous savez qu'il y a des gravures rupestres, qui témoigne d'une existence fort ancienne de l'homme ici. Les scientifiques ont déterminé par carbone que leur présence ici relève de 4000 ans. Ici également stationné un certain nombre de peuples qui ont été pris en esclaves dans le passé. Les esclavagistes les cherchaient à l'intérieur du pays, les amenaient ici parce que le goût était la seule voie de passage. Et donc, nous avons leurs âmes qui sont là, certainement, vivantes avec nous. De surcroît, les peuples locaux stationnaient ici pour leurs activités commerciales. Vous savez que le peuple okandais, c'est le peuple qui occupe ces lieux, c'est un peuple de piroguiers qui descendaient les radeaux d'Okoumé sur Ndiolé et Port-Gentil. C'est vraiment un environnement extraordinairement riche et parmi les parcs nationaux du Gabon, je crois que Lopé est sans doute celui qui possède le maximum de biodiversité. Le parc de la Lopé détient fièrement nombre de records. Cette arche de Noé géante peut notamment se vanter d'abriter la plus grande concentration de mandrilles, mais aussi un nombre impressionnant d'espèces d'oiseaux, de reptiles et de plantes. Le parc compte pas moins de 3 éléphants de forêt au kilomètre carré, ce qui est inégalé à ce jour sur le continent. Sur la rive du majestueux fleuve Logoué se dresse le mont Brazza, baptisé du nom de celui qu'il a escaladé en 1874, l'explorateur italien Pier Savorgon di Brazza. De Brazza, qui a été, je dirais, l'un des grands explorateurs de ce continent, ben, a séjourné ici. Et en souvenir de ce séjour, on a donné à ce mont, qu'il a d'ailleurs gravi, le nom de Mont Brazza. Une fois avoir gravi les 495 mètres de dénivelé, on domine littéralement les reliefs et les étendues du parc okandais.
Maintenant que le décor est posé, revenons à notre concours. Les épreuves se dérouleront à quelques encablures de l'entrée du parc sur le site de la Lopé Hôtel. C'est dans ce complexe d'une trentaine de chambres, réparties dans de sublimes jardins fleuris, que nos challengers vivront pendant toute la durée des émissions. C'est donc à l'ombre des manguiers qu'ils cuisineront et se frotteront au jugement de nos jurys. Un site exceptionnel, le bruit poétique de l'eau gouée et la vue magique sur le mont Brasa. Quoi de plus pour inspirer nos candidats? Zoom sur ceux qui vont se jeter dans la bataille du goût, nos candidats. Ils sont 6 de différents horizons. Avant de les rejoindre, tentons d'en apprendre un peu plus sur eux. Cette année, l'équipe de Starchef a arpenté le continent pour trouver les meilleurs cuisiniers et rassembler une équipe de chefs qui vont vous faire frétiller les papilles pendant ces 2 mois d'émission. C'est une étape à Dakar, mais nous sillonnons l'Afrique. Émission Starchef à l'appareil. Donc nous sommes actuellement sur Dakar pour 3 jours pour faire le casting pour cette saison. Quelques centaines de candidats ont défilé devant nos jurys. Est-ce que vous pouvez me donner la recette du 4 quarts ? 4 quarts, c'est un dessert le plus simple possible. Je ne suis pas pâtissière. Un cuisinier se doit d'être un peu complet. Les castings ont parfois été sévères, mais c'était pour la bonne cause. Trouver les meilleurs cuisiniers pour sublimer la cuisine africaine. Arrivés à l'aéroport international de Libreville-Léomba, les candidats sont accueillis par Christian Abégan. Nos 6 chefs sont tout de suite emmenés vers la gare, car le site des épreuves Starchef se trouve à 6 heures de train de la capitale et il n'y a pas une minute à perdre. Voilà une occasion parfaite pour faire un peu plus connaissance. Je m'appelle Della, je suis la candidate du Sénégal. Je suis originaire d'un petit village à quelques kilomètres, on peut dire 15 kilomètres de Joal. Je suis serrée. Je dois représenter mon pays, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je me nomme Agbodi Kodjo. Je viens du Togo, plus précisément de la région de Palimé. C'est au sud du pays et là c'est une région un peu touristique. Il y a les montagnes là-bas, il y a le pic d'Agou. Je m'appelle Njemba Viviane Flore, je reviens du Cameroun. Je fais de la cuisine africaine. Je m'appelle Metoge Kombi Barry Terence. Je suis gabonais. En fait, je travaille dans des sites pétroliers. Je m'appelle Fanyimbe Kofi Théophile. Je connais et j'ai confiance en moi, j'ai mon talent en moi et je suis venu approfondir certaines connaissances. Je m'appelle Dosso Ahmed, je représente la Côte d'Ivoire. Je vais agrandir mon expérience, ça fait beaucoup d'années que je suis dedans. Le moment est donc venu de retrouver Nadine Patricia qui va accueillir nos invités gastronomes au bord de la piscine où ils vont prendre possession de leur valise de couteau et de leur veste de chef. Ils sont 6 et ils viennent de toute l'Afrique, 6 nationalités africaines différentes. Pendant plusieurs semaines, ils vont devoir s'affronter, nous présenter le meilleur de la cuisine africaine, tout en ajoutant bien sûr leur touche personnelle. Pour cette édition, donc, je vous invite à découvrir dans un instant tous les candidats. Certains viennent d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Et tous ont cette particularité, eh bien, c'est qu'ils ont un talent. Ce talent, justement, qu'ils vont devoir démontrer durant toute cette saison numéro 2 de Starchef. Bonjour chef Christian. Bonjour Nadine. Bonjour. Bonjour. Et merci encore de nous rejoindre pour cette aventure. Voilà, nous revoilà encore, c'est reparti pour une saison. Alors justement, cette saison, comment est-ce que vous la sentez, vous l'appréhendez? Le cadre est déjà différent, donc l'état d'esprit est différent, les candidats sont un tout petit peu différents, même si
Ils pavoisent toujours aussi l'Afrique, donc il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de surprises, il y a des épreuves parfois difficiles, donc ça va être des moments extrêmement douloureux, agréables et puis des moments professionnels. Et j'imagine que vous attendez encore plus de... Respecter la recette, respecter les saveurs, respecter les temps de cuisson, respecter ce qu'on peut leur demander au niveau des épreuves. Donc, et ne pas partir comme pour certains cuisiniers qui, au premier vent de panique, vont dans tous les sens et puis le résultat du travail manque d'équilibre. Bonjour Loïc Dablé. Bonjour Nadine. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième aventure de Star Chef. Alors les candidats, vous les avez aperçus, vous les avez rencontrés déjà? Ouais, mais ils ont en tout cas de bonnes têtes, ils dégagent quelque chose de très positif et je pense qu'avec tout ça, on aura quelque chose de vraiment bien. Ça veut dire que cette année, nous élevons un peu plus le niveau. Mmh. Vous attendez un peu plus d'eux, c'est-à-dire en plus de la cuisine traditionnelle, peut-être un peu plus de cuisine moderne aussi. Finalement, c'est la nouvelle cuisine africaine. C'est ça, un petit peu de modernité, une légère touche de sophistication. Il faut être capable d'innover quand on est chef. Ce n'est pas juste s'envoyer une entrecôte et une sauce béarnaise et de la mayo et des haricots verts pour moi. Non, un chef doit être capable d'innover, d'imaginer et d'apporter quelque chose. J'appelle donc tous les candidats qu'on accueille tout de suite sur ce plateau de Star Chef. La candidate du Sénégal, vous l'apercevez certainement déjà sur le petit écran. Le candidat ? Le candidat du Togo. Du Togo. La candidate du Cameroun. Du Cameroun. Le candidat du Bénin. Bénin. Le candidat de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La saison dernière, nous n'avions pas de la Côte d'Ivoire, donc qui est arrivé en grande force pour pouvoir concourir à ces épreuves-là. Et puis, le candidat, effectivement, tout honneur, c'est au Gabon, qui est le pays hôte. Je vais donc les accueillir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la Lopé Lodge, qui sera le théâtre de vos différentes épreuves pour cette saison de Star Chef. Vous allez certainement vivre ici l'une des expériences des plus marquantes de votre vie. Il va donc devoir s'armer de talent, mais aussi et surtout de bons outils. C'est pourquoi les chefs Abégan ainsi que Dablé vont vous remettre votre valise de couteau ainsi que vos vestes de chef. Sachant que un médecin sans sa trousse ne peut pas faire d'excellentes opérations. Vos couteaux, c'est le prolongement de vos gestes. Il faut en prendre soin, c'est un élément essentiel à une bonne réalisation d'un plat. Agrémentez donc aussi de vos tenues, vos vestes qui vous consacreront, qui vous consacrent en tant que chef pour pouvoir participer à ce concours. Et n'oubliez pas, toute l'Afrique vous regarde, vos pays respectifs vous regardent et comptent sur vous, bien sûr, afin que vous atteigniez la perfection, j'ai envie de dire, car Star Chef, c'est avant tout un concours de talent. Que le meilleur gagne. Mon défi est de gagner. Bien que je vois il y a des concurrents, des chefs, des vrais chefs. Mais ça ne me fait pas peur. Je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Voilà, ça c'est pour vous. Merci. Voilà, vous avez une superbe veste pour merci. Vous. Merci. Bonne chance. Bienvenue au Togo. Merci. C'est ça? Oui. Vous savez, comme on dit chez vous, en Mina. Mon rêve en cuisine, c'est de dépasser le chef Christian un jour. Bienvenue au Bénin. Après caca. Comment vous dites? Après caca, merci beaucoup. La cuisine pour moi, c'est ma deuxième femme. Bon, après ma femme vient la cuisine. Alors, bienvenue à le célèbre pays, la Côte d'Ivoire. D'accord. Nous sommes très heureux de vous avoir comme un des candidats pour cette saison de Star Chef. On dit à Kouaba. C'est une chance et une occasion pour moi, pour montrer aussi ma valeur aux autres personnes. Et essayez aussi d'apprendre. Je vous laisse accueillir la candidate du Cameroun. Ma chère, bon courage. Si je remporte le titre de Star Chef de 3 millions, puisque je n'ai pas encore d'enfants, je peux acheter le terrain pour mes enfants, puisque je veux faire des enfants et avoir un foyer, je veux fonder un foyer. Et bienvenue au Gabon. Mon cher Gabonais. Ah, merci. Bon courage. Aboranen. Si je remporte ce Star Chef 2012, je compte faire une offrande spéciale dans la maison de Dieu. Alors, chers candidats, vous avez vos instruments pour pouvoir parfaire vos plats, vos recettes. C'est une valise où il y a tous les instruments nécessaires pour participer à des concours.
C'est la réplique exacte de toutes les valises qu'on a dans les concours internationaux. Merci, chef. Merci, chers candidats. À présent, je vais vous inviter à rejoindre vos chambres et on se retrouve juste après pour la première épreuve. Merci. Désormais, nos candidats sont armés pour concourir. À peine le temps de se reposer et de se mettre en tenue, et voici déjà venu le moment de faire face à la première épreuve, couleur locale. Allez, nous leur souhaitons bonne chance pour ce premier défi. Chers candidats, vous avez une heure pour préparer votre spécialité de votre pays, ainsi que son accompagnement, sachant que vous serez jugé sur la réalisation, le goût et la présentation. Vous obtiendrez une à trois toques de la part de notre jury. Je vous rappelle les enjeux de cette édition de Star Chef, c'est très important. La somme de 3 millions de francs CFA. À vos fourneaux et bonne chance à tout le monde. Ça y est, nous y sommes. Le son de cette cloche marque officiellement le début des épreuves Star Chef. Les candidats se lancent sans perdre une seconde dans la préparation d'un plat bien de chez eux. Un enjeu particulier pour ce premier défi, car nos participants doivent faire honneur à leur pays en portant haut les couleurs de leur gastronomie locale. Pour se démarquer et remporter le maximum de toques, nos candidats ont à leur disposition tous les ingrédients nécessaires. Mais attention, cela n'est pas si facile qu'il n'y paraît. Chacun de nos challengers doivent porter une attention toute particulière à l'équilibre des saveurs, ainsi qu'à la présentation qui doit être digne d'un concours international. C'est donc parti pour une heure de préparation. Et à peine quelques secondes du début de l'épreuve, Dosso, le chef ivoirien, semble avoir trouvé son rythme de croisière. Il lève un filet de sole avec une grande dextérité. Mais pour quel plat traditionnel est destiné ce joli filet de poisson? Aujourd'hui, j'ai proposé une sauce de sednoum, ou qu'on appelle la sauce dounglé. La sauce dounglé, c'est une sauce qui est beaucoup aimée en Côte d'Ivoire. Elle fait partie aussi des sauces favoris parmi les sauces qui sont recommandées dans les grands restaurants. Ici, on a une poivre traditionnelle avec les crevettes fumées écrasées. Ouais. Et c'est pour fourrer avec de l'aloco, passer à la vapeur où il y a le thym et le lieu, toujours du thym et le lieu, pour donner le goût. Quel programme, mon gars, quel programme J'ai modernisé aussi quand même les doublés, donc on fait localement dans nos quartiers. J'ai ajouté au moins la graine des palmes et un peu d'aracine et le gombo frais et le gombo en poudre. Cette sauce gombo mettra donc en valeur le filet de sole que Dosso a roulé dans du film alimentaire avant de la faire cuire dans un bouillon au thym laurier. La présentation aussi pour faire moins d'huile, parce que chez nous, dans le quartier, les gens aiment beaucoup l'huile, tout ça, et c'est pas bon pour la santé. Vous savez que la mauvaise utilisation de corps gras, c'est pas bien. Et c'est ça qui dénature énormément la qualité de notre cuisine. Ce sont des mauvaises idées, mais nous avons une cuisine qui est très saine. Et on a des huiles, surtout les huiles qu'on utilise pour cuisiner. Par exemple, pour ce Star Chef, des huiles sans cholestérol, ce qui est très bon pour la santé. Mademoiselle Della, du Sénégal. J'ai choisi un plat que je cuisine depuis 12 ans. Au Sénégal, on l'appelle le Mbahal Saloum. Il n'y a que les baoul baoul et les serrères qui connaissent. Ça, c'est du riz, comme on prépare le riz créole. Ouais. Mais là, on met un peu d'assaisonnement, de l'ail, sel, poivre, du piment, pour assaisonner un peu le riz, pour sortir le goût. Quoi. Après, on mettra de l'arachide. C'est un peu ancien, mais on va la moderniser aujourd'hui. C'est un plat authentique, quoi. Oui. C'est ça. Oui. Ma grand-mère m'a appris, paix sur elle. Elle me l'a appris avec amour. Je sais cuisiner, je sais que je sais réussir ce plat. Pour tenir compagnie au riz de grand-mère, Della prépare des gambas qu'elle accompagnera d'une sauce qui ne fait normalement pas partie de la recette traditionnelle. Elle nous explique. C'est vrai qu'on ne l'accompagne pas avec une sauce, mais moi j'ai voulu apporter un peu gastronomique pour faire un tout petit peu de différence, changer, essayer de mettre le côté africain à la gastronomie. Qu'est-ce que vous proposez pour l'épreuve aujourd'hui? Bon, je propose le boma. Le boma? Le boma royal à la béninoise. Bon, à défaut de boma, j'ai remplacé le folon. Folon, voilà. Parce que c'est la même famille. Normalement, bon, c'est un plat qui demande beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients.
par rapport à la viande, le poisson, les crustacés. Mais c'est un truc qui se fait dans la famille et dans des occasions, des grandes cérémonies. En effet, cette sauce feuille façon béninoise, qui se mange aussi au Togo et en Côte d'Ivoire, se prépare de différentes manières. Aujourd'hui, Théo va la préparer avec de la peau de bœuf et des crustacés. Un dernier conseil, chef Abégon ? N'oubliez pas que le dressage va aussi dans la notation de vos plats. Et faites attention, surtout au bord de l'assiette. Alors nous sommes au Cameroun, qu'est-ce qui crépite dans votre casserole ? J'ai présenté aujourd'hui la banane malaxée à la pâte d'arachide avec un peu de légumes appelés folons. Il faut un peu d'huile rouge, un peu d'huile d'arachide pour ne pas faire dormir la sauce. Il faut des oignons, du cube, de la tomate, l'ail, le poivre blanc, du poivre noir. Dans du folon, j'ai mis le maquereau fumé, j'ai mis les gambas. Madame Flore. Oui, chef. Ça va ? Ça va. Pourquoi cette recette ? Là, c'est la banane malaxée. Mmh. C'est une recette de chez vous ? Oui, c'est une recette de chez nous, surtout quand les femmes accouchent. Ah bon ? Oui, on prépare ça pour que ça nettoie le ventre. Ah. J'ai fait un peu de folon pour accompagner, comme les deux. C'est une recette que vous maîtrisez ? Oui, c'est une recette que je maîtrise. C'est bien, il y a une belle histoire derrière, c'est cool. Hein. Quel que soit ce que je prépare, je sais que ma mère de cuisine, elle est bonne. Espérons que le résultat soit à la hauteur de cette jolie histoire. Cap à présent sur l'Afrique de l'Ouest avec Kodjo. Mais qu'est-ce que le candidat togolais nous mijote-t-il dans ses casseroles ? Et la sauce gombo avec la pâte. J'ai ajouté un peu de basilic haché, un peu d'ail et de gingembre pour relever un peu le goût, pour avoir un bon goût. Et bon, si toutefois on pouvait rajouter un peu de crevettes et de petits trucs, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste préparé la sauce avec le filet de bœuf. Tu peux voir à quoi ça ressemble ? C'est ça la sauce. Ah, faut que je sente, faut que je sente. Le sel et tout, c'est bon ? Oui, c'est bon. Voilà. La viande, je ne veux pas qu'elle soit trop cuite, donc je la laisse un peu. Après, où est-ce qu'elle est la viande là ? Elle est dedans. Elle est dedans. Ouais, c'est à feu doux quoi. Alors Terence, qu'est-ce que vous proposez pour cette épreuve de cuisine locale ? Moi, je voulais ressortir un produit typiquement de la l'OP. Et voilà, j'ai présenté le yara, quoi. Un paquet de yara aux feuilles de brousse, en fait. Alors, chez nous, enfants, ça s'appelle dzom. C'est une recette que tu maîtrises, que tu connais vraiment ? Ouais. Il y a une histoire derrière la recette ? Ouais. Vous savez, moi j'ai eu la chance de rencontrer mes grands-parents. Mm-hmm. Et voilà, quand un étranger arrive au village, mm-hmm. On reçoit la personne au corps de garde. C'est ça, ouais. Et ensuite, c'est un paquet qui arrive. Mm-hmm. Et voilà quoi. Donc il y a une idée. Vous allez voir, ouais. Franchement, vous allez vraiment adoré. C'est vrai ? J'espère. Voici qui annonce la couleur. Comme pour le candidat du Gabon, beaucoup des recettes de nos six chefs ont des origines familiales. Il faut absolument que ces derniers donnent le meilleur d'eux-mêmes afin de faire honneur à la gastronomie de leurs pays respectifs. Le chrono défile et les plats commencent à prendre forme. Alors vous en êtes où ? Vous restez près de 5-6 minutes, hein, pas plus. Donc les assiettes doivent être dressées, pas trop chargées. N'oubliez pas que le bord de l'assiette, c'est pour le client. Donc ne faites pas des étouffoirs pour les yeux du jury et pour les estomacs fragiles. Pas trop de piment, hein, mademoiselle, j'espère. Donc près de 5-6 minutes qui vous restent pour pouvoir dresser et terminer. Donc quand vous entendez le gong, vous arrêtez tout, vous ne faites plus rien. Le temps imparti sera déjà terminé. Plus que quelques secondes avant la fin de l'épreuve. Il est temps de passer au dressage de toutes ces réalisations.
3, 2 et 1. C'est terminé, chers candidats. Alors, lequel d'entre vous a réussi en une heure seulement l'exploit de faire tomber le mythe qui existait jusqu'ici autour d'une recette pourtant tant appréciée par nos ancêtres? On va le savoir dans un instant, puisque le jury vous attend déjà dans la salle à manger pour déguster et surtout évaluer vos différents plats. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le gabon vert. Les feuilles de manioc aux crevettes, c'est excellent, surtout quand c'est bien pilé par Laura. La vieille, tu es trop fort. Ça, c'est quelle magie? Non. Avec Cuisinor, la bonne cuisine a un nom. Cuisinor. Dosso. Oui, chef. Alors, parle-nous un petit peu de ce djoumblé. Bon, ce djoumblé, j'ai choisi parce que c'est un plat que j'ai modernisé. Et c'est un plat qui est naturel. Merci. Nous allons goûter et puis on vous voit pour les résultats. Merci Dosso. Bien. Son gombo, il est bon. La salle aussi. Elle est bonne l'aubergine. L'aubergine, c'est très bon. Le gombo, il est excellent. Le seul hic, c'est le problème des textures. Parce qu'une texture de poisson qui a une chair molle et tendre doit rejoindre à l'intérieur comme une farce plus fine. Plus moelleuse. Plus moelleuse. Il y a du travail dessus, il cherche. Il a pris le soin de poêler la banane juste avant avec un petit peu d'huile de palme, donc c'était intéressant. C'est bien, c'est un plat qu'il maîtrise, on sent qu'il maîtrise. Il maîtrise, mais qu'il faudrait qu'il puisse affiner. Pour ça, il faut qu'il puisse faire. On peut piler, réduire et puis rouler sur quelque chose qui est déjà plus fin. Et même en pilant cette banane-là, on peut lui adjoindre quelque chose, des éclats de crevettes, n'importe quoi. Mais on reste toujours dans un thème Afrique, hein, ce sont ces produits qui sont dans l'air et tout. Mais c'est, la gestion de son gombo, c'est très goûteux et c'est vraiment très bon. Bonjour Flore. Bonjour chef. Alors quel est votre intitulé? Oui, ce que j'ai fait, c'est de la banane malaxée à la pâte d'arachide. D'accord. Là, j'ai mis la pâte d'arachide, j'ai mis le maquereau fumé, j'ai mis le poisson. Et puis j'ai accompagné avec un peu de légumes. D'accord. Les légumes qui est le folon avec des gambas. Merci, nous allons goûter. On va se voir le soir pour les résultats. Vraiment très très bien. Oui, sauf qu'on va lui apprendre comment bien organiser son travail au niveau des découpes et aussi de l'assiette. Mais pour la saveur, je crois qu'elle y est, c'est bien. Et surtout sa gestion des graisses. C'est très important qu'on puisse se rendre compte de comment elle joue avec d'autres légumes. Il y a des haricots verts dedans, il y a un peu d'aubergine quand on goûte. Donc il y a un petit peu de recherche ici. Vraiment, je trouve c'est vraiment un vrai plat familial. Terence. Oui. Qu'est-ce que vous avez proposé pour cette épreuve? Le paquet de yara aux feuilles de brousse. Ah, c'est un plat qui vient de chez nous. Oui. Et qui est accompagné de quoi? Parce que je ne sais pas, un manioc. Oui, c'est du manioc. Mais par contre, c'est des cassalans. Ah, des manioc fermentés, c'est ça. Voilà. Donc, on va goûter et puis on va vous dire. Merci bien. Je vous remercie. Merci. Paquets sont quand même tous ces plats. Dans toute la zone d'Afrique et même un petit peu d'ailleurs d'Asie, ils ont cuit à l'étouffée beaucoup de produits. Donc c'était ce système des courts bouillons avec quelques épices dont ce poisson dans les feuilles garde beaucoup de saveur. C'est très bien, je pense qu'il y a pas mal d'arêtes, je suppose. Oui, il y a des arêtes aussi, mais bon, c'est un choix. Il a fait des tout petits poissons. Petits poissons, c'est très citronné. Ça manque d'assaisonnement pour moi.
Ça manque d'épices. Ça manque d'épices, ça manque d'épices. Ça manque même de piment alors qu'il y en a deux sur l'assiette. Ce n'est pas assez relevé pour moi. C'est dommage parce que c'est un gros travail. Il a voulu faire avec les poissons de... On a quelques légumes qui sont donc là. C'est dommage parce que c'est beaucoup de travail qu'il a fait, mais le choix quand même de la stratégie n'était pas... C'est très dommage. Il m'a parlé de l'histoire de son plat, ça m'a plu. Je sens qu'il y a de l'envie, il y a de l'engouement, c'est bien, mais ça manque légèrement d'épices. Je connais le principe des paquets, c'est comme les papillotes. Oui, c'est si, c'est pas, si ce n'est pas assaisonné, parce que ça perd de l'eau, ça perd en saveur, ça perd... C'est ça. Ça absorbe, parce que la papillote, sous toutes ces feuilles de brousse, elles sont déjà un peu sèches, elles absorbent les saveurs, les goûts et tout, etc. Même si ça parfume après le plat. Ça manque de beaucoup de choses. L'intention est bonne, mais... C'est beaucoup. À travailler, hein. À travailler. Parce que, voilà. Parce que même sur une autre recette, il peut le représenter, mais d'une manière un peu plus... De manière différente. Différente, un peu plus élaborée. Okay. Okay. Voilà. Moi, c'est une torque. Ah, moi, pour tout le travail qui a été fait. Je trouve qu'il a bossé. Moi, je vais lui en mettre deux parce que j'ai envie de l'encourager. Quel est votre intitulé, alors? La sauce Boma et la sauce gombo avec la pâte. Sa pâte à base de gari, c'est ça? Oui, un peu de gari et farine de blé. D'accord. Et il y a de la viande dedans, c'est de la viande de... La viande de bœuf. De bœuf, d'accord. Mais on va goûter, on va donc vous dire tout à l'heure, après ça. Okay. Merci. Merci. Merci, Koubou. Un peu dur. Merci, mais jeune, on ne peut pas mettre du poivron cru sur une sauce gombo déjà cuite. Même l'oignon, comme ça, cru, ça. Mais la sauce est vraiment excellente. Du goût, oui. Ça aurait pu être net. Net, voilà. Il aurait pu mouler sa pâte dans un... Ils ont des petits moules, des petits cerclés avant de pouvoir le faire. Voilà. Il y a vraiment de gros problèmes de dressage. Au niveau du dressage, des quantités, et puis... Mais au niveau de ce type de concours, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est-à-dire... parce qu'ils ont tout, ils veulent essayer de tout faire. Parce qu'ils nous ont mis tout un jardin de plantes ou de fleurs, un peu. Ça, oui. Pour que ce soit très bien, non, c'est ça qui est un peu difficile. Sans qu'il a vraiment voulu se faire plaisir, il a mis des couleurs. Et tout ça, donc... C'est très bien, mais bon, c'est vrai que là, ça manque de précision, quoi. Ouais. Il faut un peu plus de précision, que ce soit plus net. Ça fait comme un étouffe chrétien, c'est ça. Pour l'œil, c'est énorme. C'est la bonne plâtrée, là. Hein. C'est sûr que là, on a la bonne pâte, là, il y en a beaucoup. Donc, c'est excellent, la pâte, hein, mais bon. Un juste dos, un équilibre. Il faut que ce soit équilibré. Un équilibre, bon, c'est pas très abouti. Pour moi, comme c'est juste un manque de connaissances au niveau de la présentation, mais à part ça, c'est vraiment bon, moi j'en mettrais deux. Oui, oui, aussi. Mais deux avec la réserve de pouvoir l'expliquer qu'il faut c'est voilà, pas, affiner. Ce n'est pas un doigt abouti, mais non, c'est... Surtout pas. C'est un peu tendre vers ça en améliorant. Donc pour le candidat du top, du coup, moi je mets deux tops. Moi j'en mets deux pareil. Bonjour Théo. Bonjour, alors, chef. Qu'est-ce que tu as de bon pour nous? Bon, pour la présentation, le folon royal à la béninoise. Folon royal à la béninoise. Et l'accompagnement, c'est... L'accompagnement, bon, le gari. Mm-hmm. D'abord, au départ, j'ai fait le mélange de maïzena. Après, j'ai rajouté le gari pour donner plus de l'odeur et plus de valeur. Okay. D'accord. Et puis, je vois qu'il y a une autre sauce qui est différente, là. Elle est composée de quoi? La moutarde, la mayonnaise et quelques... D'accord, quelques une sauce de dressage. Si ça se présente tel qu'on le présente à la maison, bon, ça n'a pas de valeur. Bon, il faut moderniser un peu, juste pour influencer on entend bien. Les yeux. Et la peau de... Ok. Oui. D'accord, merci bien. Merci chef. Je ne sais pas si c'est la sauce à la mayonnaise et à la moutarde, elle a vraiment sa place. Moi, je trouve que les légumes auraient pu être mieux assaisonnés, c'est un peu fade. Un peu fade, oui, effectivement. C'est un peu fade, pas assaisonné. C'est bon, c'est maîtrisé, mais non, je trouve ça manque de... La meilleure des choses qui est cuite ici, ce sont les crustacés, ils ne sont pas très secs. Ça manque de goût, en fait. Ça manque de goût, et puis c'est trop chargé, il y a beaucoup de travail pour la décoration, beaucoup de travail sur... Les deux piments, c'était pas forcément... Ouais. Apporte rien. Oui. Une décoration qui n'est pas forcément comestible. Absolument. Le légume est bien vert, le piment, c'est... Mais c'est surtout pour le goût, parce que
Le principe dans cette cuisine où il fait très très chaud dans les pays, parfois on a des températures de 40 degrés, on est obligé d'avoir quelque chose qui est vraiment suffisamment relevé, qui pousse quand même à la consommation. Parce que si on donne un plat qui est fade, c'est pas en mettant du piment, mais c'est que ce soit relevé. Et puis le principe aussi, qui est d'avoir un poireau qui n'a rien à faire là-dedans, même en décoration, qu'est-ce qu'il fout là ? Ce n'est pas cuit, un élément pas cuit. Moi, je ne suis pas une chèvre pour pouvoir manger des légumes pas cuits. Ouais, ça n'a rien à voir là-dessus. C'est très cheap. Ouais, les tomates comme ça, et le poireau, j'aime pas du tout. Comment se nomme ton plat ? Riz à l'arachide et sauce gambas. C'est un riz normal ou on peut faire avec le riz cassé ou... On peut le faire avec le riz cassé aussi, mais c'est une cuisine un peu ethnique aussi. C'est plus connu chez les Baol, les Serer et tout ça. Les Serer ? Oui. C'est la grande nation des lutteurs, c'est ça ? Oui. C'est effectivement l'emblème du Sénégal. Merci Ndélan. Très goûteux. Hein. La sauce ressemble à un petit rougail de poisson ou quelque chose comme ça. C'est légèrement acidulé, ça a beaucoup de goût. Hein. Ça a beaucoup de goût, c'est très bon. Ça a beaucoup de goût. Ce qui est vraiment dommage, c'est que le riz, moi, je le trouve vraiment trop sec. Il n'y a pas une petite sauce pour accompagner, du coup. Ça manque un peu. Oui, c'est la sauce parce que l'accompagnement n'est pas très bien. Une bonne maîtrise pour la cuisson des crustacés. Le riz est un peu sec. Sans qu'elle a fait... Elle maîtrise la recette, mais ça manque. À mon avis, elle aurait dû, je pense, c'est partir peut-être sur cette base d'arachide comme elle a fait, et peut-être faire un principe de risotto pour que le riz soit quand même plus... Le riz n'est pas assez cuit, etc. Elle n'a pas assez cuit. Ils avaient le temps de pouvoir cuire ce riz-là, le temps pratique et tout. C'est dommage pour le riz parce qu'elle avait vraiment le temps de terminer en plus. C'est de modifier. C'est l'adjonction d'un produit sec, d'une amande ou de quelque chose sur un riz, demande beaucoup plus d'eau. Mm-hmm. C'est ce qu'on va lui expliquer. Pourquoi est-ce que ça a pêché pour son plat ? Parce que ça demandait plus d'eau pour que ce soit plus moelleux. Pour avoir un problème, parce que si c'est sec, c'est le problème de digestion, les problèmes de. Problème de transit, par exemple. Donc, c'est pour ça que cette équipe alimentaire nécessite qu'on puisse avoir des plats, l'équilibre, bien aussi sur le choix de ce qu'on met avec. Parce qu'il n'y a pas un légume, par exemple, si on aurait sauté le légume à côté, il n'y a pas. C'est tout ça qui a pêché pour ça. Un peu d'eau ou un peu de bouillon, histoire de vraiment mouiller le truc. La cuisine, la gastronomie, qu'on soit dans le monde entier, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, un des saveurs, un des textures, parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose de totalement sec. Et puis quelque chose est sans sauce, et tout, etc. Et on n'a pas 3 litres d'eau aussi derrière. Donc, il y a les légumes. Et puis, ils ont un garde-manger quand même qui est très fourni, chef. Parce que c'est par rapport à ça. C'est sur ce principe d'équilibre qu'ils doivent essayer de travailler. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette première épreuve de Star Chef couleur locale. Comment nos candidats s'en sortent ? Réponse avec le chef Christian Abégan, qui cette année est rejoint par le chef Loïc Dablé. Chef ? C'est un bonheur de vous retrouver sur le plateau de Star Chef. Bonjour, chef. De même, chef, ravissante, merci. Nadine. Bonjour, Nadine. Bonjour, chef. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Alors, c'est la première émission de Star Chef. Christian Abégan, que peut-on dire concernant le niveau des candidats cette année ? Il y a quelques révélations spécifiques qui sont en place. Il y a de la matière, il y a des erreurs, effectivement. Et puis, tout va se dessiner donc, au fil donc, des épreuves. La première épreuve a été... installé pour pouvoir donner à chacun de pouvoir s'exprimer un petit peu grossièrement, sans respecter l'adage qu'on connaît très bien, qui est sur le bord de l'assiette, c'est pour le client. Mais il y a quand même une démarcation avec des candidats qui essayent de donner une essence quand même sur le travail gustatif et le choix des produits et comment assaisonner. Donc il y a beaucoup de choses encore à revoir. Et vous, chef Loïc, êtes-vous satisfait de l'interprétation des candidats des recettes de grand-mère ? C'est intéressant, il s'est passé quelque chose. On commence à voir on découvre des personnalités, on découvre des recettes, des saveurs, c'est bien. Ben écoutez, je pense qu'il est temps pour nous d'aller de l'autre côté, retrouver les candidats pour l'évaluation du jour.
Bon, cher candidat, nous sommes au moment crucial de chaque épreuve où on doit vous annoncer les résultats. C'était l'épreuve couleur locale. Nous allons commencer par M. Kodjo, candidat du Togo. Vous avez fait un gombo qui était vraiment succulent. Vous avez quand même des décors à retravailler parce qu'il y avait beaucoup d'éléments dans l'assiette trop copieuses. Mais bon, c'est le départ d'un concours, mais il y avait beaucoup de choses dans l'assiette. Le jury vous a accordé la note de 4 tops pour cette épreuve. Merci, chef. Le chef Christian m'avait fait une remarque que j'ai personnellement, j'étais d'accord. Il n'y a pas de problème, je suis satisfait quand même. Dès là, vous avez choisi de nous faire un classique de chez vous, c'est ça? Un plat traditionnel. Donc du riz avec des gambas. Donc l'idée était bien et surtout c'était quelque chose de chez vous, donc je respecte, nous respectons ce choix. Malheureusement, c'était très sec, donc le riz et l'arachide, pour un concours, c'est assez délicat parce qu'il faut quand même que ce soit harmonieux. Il faut que le jury puisse apprécier ce genre de recette. Donc c'est vrai que c'était sec, le riz n'était pas assez cuit et ça manquait de sauce. On vous accorde 2 tocs. J'accepte de tomber cette fois-ci, mais je vais m'en relever quand même. Terence, le candidat du Gabon, vous avez présenté un plat, malgré tout le travail qui a été fait, il manquait de l'assaisonnement. C'est un petit peu dommage parce que ça a joué en votre défaveur. Il ne faut pas mettre trop d'éléments dans des assiettes, il ne faut pas trop surcharger. Respecter le bord de l'assiette et puis qu'effectivement, vous devez savoir qu'un plat très bien décoré est à moitié mangé. Mais pour vous encourager, le jury vous accorde 3 tocs pour votre épreuve de couleur locale. Ah, vous prenez quand même punchline en pleine mâchoire. Ça nous encourage aussi à s'améliorer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut retoucher? Dosso. Notre architecte, Dosso. Donc l'assiette était particulièrement jolie. L'idée de la sole et de la banane plantain crue, l'idée était très bonne. Malheureusement, au niveau des textures, c'était pas ça, il manquait quelque chose. La banane était peut-être trop dur et par rapport à la sole, ça faisait 2 textures qui n'allaient pas forcément ensemble. Donc pour ça, Dosso, vous avez 4 tocs. En fait, je n'en discute pas, j'aime beaucoup ce qu'ils ont dit. Parce que aussi, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de grandir aussi beaucoup. Même si tu fais plusieurs années dans la restauration, dans n'importe quel métier, il faut ajouter de plus chaque jour. Mademoiselle Flore, vous avez fait un folon qui n'était pas très mal, donc il y a beaucoup de travail pour l'aménagement, les décors, comme un petit peu à tous les autres, qu'on va voir un petit peu en atelier. Sachez que les chefs sont là pour vous accompagner durant les épreuves de votre concours et de vous donner la possibilité de donner le meilleur de vous-même, parce que quand vous êtes dans l'arène, c'est vous qui êtes en plein jeu face aux autres candidats. Pour votre plat, le jury vous accorde la note de 4 tocs. Merci, chef. Et point de début, je suis satisfait puisque je m'y attendais et je savais déjà que non, je vais gagner. Puisque je savais que ce que j'ai préparé, ça a été bien fait. Parce que c'est mon métier, puisque je ne peux pas plus africain. Théo, notre ami béninois. Il faut savoir séparer les éléments entre eux, de pouvoir essayer de mettre un beignet d'accompagnement. Mais c'est tous ces éléments de dressage, vous allez pouvoir essayer d'en parler au cours de vos entretiens avec, donc, avec nous. Pour qu'on puisse vous guider et que vous puissiez vous améliorer. Je vous ai accordé 2 tocs pour cette épreuve-là, en vous demandant de continuer à améliorer votre travail pour la suite du concours. J'ai été déçu par rapport à la présentation au niveau de la décoration. Et ça ne m'a pas plu. Et ça fait l'expérience du travail et ça me donne le plus de correction. Voilà, ce sont les résultats de votre épreuve de couleur locale. À bientôt pour la prochaine épreuve. À bientôt, bon courage. Merci. Essayer d'impressionner le jury, leur montrer que les débutants aussi ont des petits secrets pour remporter Star Chef. On a la chance d'avoir à nos côtés de grands chefs qui après vont nous orienter sur certaines touches, certaines choses. Et c'est maintenant à nous de ressortir un truc génial, quoi. Je vais essayer d'améliorer, parce que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre jusqu'à la mort. C'est Dieu qui m'a donné cette opportunité d'être cuisinier aujourd'hui. Et
je remercie Dieu et je continue toujours sur la même voie pour arriver jusqu'à l'éternité. À l'issue de ce verdict donné par nos deux jurys, trois pays sont donc en tête de cette première épreuve Star Chef, le Togo, la Côte d'Ivoire ainsi que le Cameroun. Rien n'est encore fait. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour la deuxième épreuve. Il s'agira de l'épreuve Attitude végétarienne. Recevoir ses amis, étonner son mari ou égayer les repas des petits. Découvrez toutes les leçons de goût en regardant Star Chef avec les produits laitiers Président. Vous avez regardé Star Chef, maintenant à vous de préparer avec les huiles Cuisinor.